Et donc salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo pour vous montrer un petit tuto. Comment faire ces miniatures, parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé de faire un tuto pour comment faire une miniature sur PixelR, qui est le logiciel que j'utilise. Donc je vais m'exécuter en effectuant la miniature du chip défi que vous avez vu normalement. Si je ne me suis pas trompé, normalement non. Du coup, c'est parti. Donc pour faire une miniature tout d'abord. Attendez, je vais faire un truc. Oui, j'en reste. Donc pour commencer, tout simplement, il vous faut une image de base. Donc pour le chip défi, vu que j'avais pas trop d'idées, j'ai tapé Minecraft hein, tout simplement. Et j'ai tapé Minecraft, vous voyez, comme ça, hop, Minecraft, voilà. Minecraft. Et j'ai trouvé des trucs. Voilà, j'ai trouvé une image random totalement, parce que de toute façon c'est pas l'image de derrière qui va être utile, c'est juste un support en fait. Donc vous pouvez prendre plein d'images, vous pouvez aussi trouver d'autres images plus originales hein, tout simplement. Ensuite, ce qu'il va vous falloir pour faire une miniature, c'est un petit peu d'imagination. Donc moi j'en ai plutôt pas mal, je suis assez content. Donc les logiciels au niveau de ce dont je me sers pour faire mes miniatures, je me sers de deux logiciels, donc de PixelR que je vous avais déjà présenté. Donc que vous pouvez télécharger. Merde, pas du tout. Désolé. Donc que vous pouvez télécharger ici. Donc je vous mettrai l'URL en description. Hein. Et je me sers également de ce logiciel BeFunky, qui est un logiciel qui va me permettre d'avoir un petit peu plus de solutions. Donc on va commencer tout de suite. Donc en fait je vais plutôt me servir de. En fait, vu que là on peut pas mettre d'image. Ben, je vais commencer avec ce logiciel, donc je vais faire open. Ouais, je vais open une image. Si ça voudrait bien pas bugger, ce serait cool. Merci. Alors, une image. Alors, du coup, oui, j'ai le résultat final hein, parce que voilà. Donc, on va ouvrir cette image qui est l'image random, celle-ci, voilà. Pixel. Hop. Okay, ça bug un peu, hein, désolé. Parce que c'est mon ordi en fait, je fais tourner trop de trucs en même temps, il aime pas trop. Voilà, donc. On a ça d'ouvert, je vais ensuite venir faire ceci, donc je vais venir faire add double explorer, en fait c'est comme add image, donc je vais add une image. Là je suis dans mon dossier miniature, en fait c'est avec toutes mes miniatures, plus ce dont je me sers pour les faire, notamment des logos en PNG. Le logo PNG c'est ce qui permet, en fait PNG c'est voilà, il n'y a pas de fond derrière, donc je vais placer mes logos en PNG tout simplement, comme ça ça va faire joli, hein. Comme ça montre grosso modo. Comment ça marche, donc Minecraft hein, parce que c'est Minecraft, le logo PS Vita parce que c'est un logo, enfin parce que c'est de la PS Vita simplement. Voilà, une fois que j'ai fait ça, bon là je fais un petit peu ça à l'arrache, je vais venir placer un symbole qui va oula, mon ordi chauffe, qui va venir rappeler la vidéo. Donc là c'est le chip défi, du coup j'avais téléchargé au préalable un mouton, puisque chip défi c'est mouton, un mouton en PNG si j'arrive à le trouver, voilà il est là. Hop, un mouton en PNG que je vais venir placer bien gentiment ici. Il est mignon le mouton. Et c'est là qu'il va falloir un minimum d'inventivité. Je peux pas tout faire pour vous. Hein. Est-ce que vous m'entendez bien? Un, deux, oui. Je filme bien. Oui, je vérifie. Désolé, je suis parano parce que. Voilà. Donc vous positionnez votre mouton comme ceci. Voilà. Donc vous avez fait ça. Vous faites save as. Hein, enregistrer. Je vais mettre pot. Voilà. Parce que en fait, j'ai la peine de se convaincre vraiment. Donc il enregistre. Et là, on va passer sur le deuxième logiciel qui est BeFunky. Oui, je fais un mix des deux logiciels, c'est plus pratique parce qu'il y a des meilleures polices sur BeFunky, c'est pour ça. Donc on va ouvrir notre pot. On va avoir tout un tas de possibilités. Moi, je fais souvent embellir parce que ça accentue les degrés d'intensité des couleurs et ça rend vachement bien, je trouve. Donc j'embellis, s'il y a besoin, je fais un petit fou sur les côtés. Hein, tout ce qui est plus basique, le plus simple, je fais pas aussi gros quand même, hein, faut pas déconner. C'est plus comme ça, voilà. Je fais un flou très léger quand il y a besoin. Bon, là, en occurrence, il n'y a pas besoin, il me faut. Non. Voilà, merci. Ta gueule. Donc, violence. Donc là, je vais venir écrire avec un texte joli. Donc là, je vais prendre Capturel, par exemple, parce qu'il y a pas mal de textes hein, proposés. Donc là, je vais avoir ça. Et je vais marquer, tiens, chip défi. Puisque c'est le nom de la vidéo, avec plein de points d'exclamation, parce que je suis un thug. Hop, une fois que j'ai l'écriture, je vais venir la placer à l'endroit où je veux. En fait, c'est là qu'il faut faire l'inventivité. Là, je fais un exemple, mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Le logiciel rame un peu, c'est parce que mon ordi rame un peu. Voilà. Donc vous le placez, voilà, vous l'agrandissez un petit peu pour que ce soit joli. Voilà. Faut vraiment avoir de l'inventivité et de. Attendez, je vais virer un point d'exclamation.
car c'est non, c'est point d'exclamation. Donc voilà, là on a un petit peu notre miniature, mais vu que c'est la version 2.0, on va changer de police pour la peine, et on va marquer, je sais pas, 2.0, tiens. Attendez, donc 2.0, hop, voilà, on va venir positionner, donc hop, on va virer le petit fond là parce que c'est pas très beau, voilà, on va venir augmenter pour faire joli, parce que sinon ça se voit pas. On va venir mettre point de plein d'exclamation. Donc franchement, tout ce que je peux vous conseiller pour les vidéos, c'est prendre de l'expérience, comme, enfin pour les miniatures, c'est prendre de l'expérience à ce niveau là, et parce que vous voyez mes miniatures d'avant, là franchement je suis assez fier de mes miniatures. Donc voilà, maintenant que, oui, merci, merci. Donc une fois que j'ai fait ça, maintenant il n'y a plus qu'à appliquer une bordure, parce que j'adore mettre des bordures. Mais les seules bordures que ce site propose à peu près bien, sans payer, parce que sinon il y en a certaines où il faut payer, c'est des bordures pas très belles, je trouve. Du coup, je vais venir save. Donc on va la relappeler pot, hein, parce que voilà, c'est la suite du pot. J'ai pas trouvé de blague. Annulé, connard. On va, je pense que c'est parce que j'ai pas sauvé. J'ai mis pot au lieu de passo. Downloading. Oui, c'est ça. Ce reste ça. Je le pense. Où est pot? Parfait, il est là. Non, c'est pas lui. Oh putain, c'est quoi ce bordel? Attends, save. Computer. On va l'appeler pawn. Je sais pas pourquoi il le télécharge pas. What the fuck? What the fuck? Pourquoi ça marche pas? Ellipse, hein, bien évidemment. Petite ellipse. Et donc, en fait, en réalité, mon ordi faisait de la merde puisqu'il me l'a mis dans l'onglet download. Va savoir pourquoi. Du coup, je l'ai appelé Pony. Hop, on va ouvrir Pony. Ça, c'est bizarre. Normalement, on enregistre sur le bureau. Peut-être que j'ai fait de la merde. Donc, une fois qu'on a cette image, bah, je vais venir affecter tout simplement les. Oula, combien de minutes de vidéo? 7 minutes, je passe. Donc, on va venir activer les bordures. Donc, il y a pas mal de bordures. Il y a des bordures plus belles, je trouve, que sur BeFunky. Donc, je vais venir cliquer par défaut. Et la plus souvent, celle que je prends, ça va être Sand. Sand. Ça veut dire sable, hein, grosso modo. Que je vais mettre à 80% parce que voilà, c'est assez joli. Et donc oui, donc je vais la mettre à, oh, petit bug, désolé. Donc à 80%, hop, je vais la save parce qu'il faut toujours save. On va l'appeler final, tiens, parce que c'est la fin de la miniature. Hop. Et on a notre miniature finale, voilà. Donc magnifique miniature, hein, qui passe très bien pour ma vidéo. J'ai pas mis en très bonne qualité, tiens, c'est pas grave. Du coup, bah voilà, je vous ai montré un petit exemple de comment je fais miniature. Après, si c'est, vous pouvez toujours changer de tout ce que je fais, hein. Bien évidemment, libre à vous. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, j'espère qu'elle vous aura aidé. N'oubliez pas le petit like si ça vous plaît, si vous voulez d'autres tutos. Et bah moi, je vous dis à plus tout le monde.